autant de bienfaits. Élevez notre Dieu parce que tu es merveilleux. Toi qui nous fais du bien, Jésus. C'est auprès de toi, notre Dieu, que nous nous approchons ce soir, notre Dieu, mais très reconnaissant pour ce que tu fais. Toi qui es le roi éternel, qui accomplit des grandes choses, toi qui manifestes ta puissance, qui manifestes ta grandeur. Nous te disons merci, notre Dieu, de nous avoir conduits, Père éternel, et d'avoir permis que nous puissions être dans ta présence, toi le roi éternel. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner très fort ce Dieu? Amen. 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 Avant qu'on ne passe à la parole, tout de suite, il y a une pensée qui m'est venue. Vous savez, dans la prière que Jésus il nous a enseignée, le modèle de prière que Jésus nous a enseigné, la prière commence par Notre Père. Notre Père. Est-ce que Dieu, tu réalises que Dieu, il est ton Père? Amen. Je voudrais réconforter quelqu'un et lui dire, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais moi, on me charge de te rappeler que Dieu, il est ton Père. Celui qui a créé les cieux et la terre, après il a regardé son ouvrage, il a dit que cela est très bon. Vous vous rendez compte? Est-ce que ce Dieu a déjà fait une fois une erreur? Et ce Dieu, il est ton Père. Donc il n'y a pas d'erreur dans ce qui est en train d'arriver. La gloire lui reviendra. Est-ce que, avec cet encouragement, avec ce Dieu qui se veut être ton Père, ce Dieu qui est avec toi, ce Dieu qui combat pour toi, tu peux ovationner comme quelqu'un qui reconnaissait fils de ce Père? Amen. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible nous dit encore que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de trouver les choses. Mais comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, à chaque fois Dieu nous permet de comprendre sa parole à la lumière des serviteurs qu'il utilise comme il veut. Et ce soir, Dieu s'est choisi son serviteur, mon frère bien-aimé Maxime, afin qu'il puisse nous exhorter, nous conduire dans les voies du Seigneur et qu'il soit ce canal que Dieu utilise ce soir. Tu vas te lever, tu vas prier pour la parole que tu vas entendre de la part de Dieu. N'écoute pas ce frère comme tu l'écoutes d'habitude. Écoute-le comme quelqu'un qui vient te parler de la part de ton Père, quelqu'un qui vient te dire quelque chose qui t'était caché dans la parole, mais à la lumière de ce qui sera en train de dire au travers de sa parole, inspiré par la parole de Dieu, tu auras une réponse à ton problème. Tu auras une orientation par rapport à la direction que tu demandais à Dieu. Tu auras des révélations qui vont te propulser dans tes projets au nom puissant de Jésus. Si nous pouvons nous lever et prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, te disons merci. Merci pour ces instants que nous passons dans ta présence. Père éternel, nous approchons, nous voulons t'écouter. Que tout ce qui en nous, Père éternel, est voix, et Père éternel, du bruit se taise. Père éternel, tu dis que ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Père éternel, je déclare au nom puissant de Jésus que cette parole que nous allons entendre produit dans nos cœurs les fruits pour lesquels tu l'as fait sortir. Où est une onction spéciale ton serviteur Maxime, afin que Père éternel, il diminue et que toi seul tu croisses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si nous pouvons acclamer pour le serviteur de Dieu, Maxime, pendant qu'il s'avance. Tout le monde, vous pouvez vous installer. Bonjour à ma chaleureuse assemblée, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Aristide, bonjour Daniel.
Bonjour aussi à tous ceux qui vont nous écouter depuis leur smartphone, leur iPhone, leur Samsung. Bonjour à eux aussi. Aujourd'hui, ça va être une petite prédication. Pour ceux qui me connaissent, je suis assez concis, j'aime bien aller droit au but. On va parler d'un personnage que tout le monde connaît. On va parler du roi David. Quand je vous dis le roi David, quelle est la phrase qui vous vient à l'esprit? Je ne sais pas si par exemple, Aristide, je te demande, quelle est la phrase qui te vient à l'esprit quand je te parle du roi David? Amen. J'étais pratiquement certain que j'allais entendre cette phrase. Et moi aussi, c'est la phrase qui me vient à l'esprit lorsque j'entends le roi David, l'homme selon le cœur du Seigneur. C'est fort comme phrase. Franchement, moi aussi, j'aurais bien aimé être appelé comme ça. J'ai envie d'être appelé comme ça. J'ai envie que le Seigneur se dise que Maxime est un homme selon son cœur. Qu'Aristide est un homme selon son cœur. Que Daniel, que Valentin, que Pasteur Désiré, que nous soyons tous des hommes selon le cœur de Dieu. C'est tellement beau comme phrase. Mon thème d'aujourd'hui est intitulé « Condamner les autres ». Et pour cela, je vais m'appuyer de deux chapitres dans l'Ancien Testament, qui est 2 Samuel 11 et 12. Je vais m'appuyer de ces vraiment deux chapitres pour la prédication du jour. Je vais commencer avec 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 5. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Samuel 11, verset 2, « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hessien ? 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. » Alléluia. Je pense que bon nombre d'entre nous, on connaît cette histoire, tout ce qui s'est passé par la suite. C'est un peu la grosse faute de David. Hein. Si on retient un péché de David, une faute de David, c'est un peu ce qu'on va retenir de lui, hein, cette histoire-là. Dans les versets que nous venons de lire, on voit que David, qui est le roi de ce peuple à ce moment-là, il trouve une femme belle, attirante, il a tout de suite des envies sexuelles envers elle. Il fait donc appeler la femme et ils couchent ensemble. On va dire que, comprenez-moi, c'est une histoire à peu près normale, entre guillemets. Jusque-là, tu vois une femme belle, tu as envie de coucher avec elle, tu as des attirances, ok. Sauf que, dans ces versets, nous avons des détails. À savoir que le serviteur de David précise que cette femme, c'était la fille d'Éliam, mais surtout, et plus encore, c'était la femme d'Uri. Donc là, on commence à comprendre qu'il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. David voit cette femme. Ça aurait pu être une autre femme, une femme qui n'avait pas d'engagement, une femme qui était libre, une femme qui aurait pu devenir sa femme. Mais cette femme avait déjà un engagement. Et c'est bien précisé dans la Bible. Donc David agit en toute connaissance de cause. Il savait ce qu'il faisait. Il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que le roi David, il avait déjà plusieurs femmes. Ce qui peut amener à l'interrogation, ça peut mener même à l'incompréhension. On se dit, cet homme-là, il avait déjà plusieurs femmes. C'est un homme aussi qui avait de l'argent. Il avait de l'argent, il voulait construire un temple pour le Seigneur. Il ne manquait pas de moyens, il habitait dans un beau palais. Il avait du pouvoir, il était respecté par son peuple. Israël était encore unifié à ce temps-là. Il faisait la guerre à des nations alors que lui n'était soumis à aucun autre peuple. Donc il avait de l'argent, il avait le pouvoir. Il avait plusieurs femmes à ses côtés, mais il a quand même envisagé de commettre un adultère. De notre regard, de notre point de vue, dans notre situation, on peut se dire, mais il est complètement fou, il est complètement malade. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux, l'argent, les femmes, la santé. C'était aussi un bon danseur, si je ne me trompe pas.
un bon instrumentiste, mais à ce moment-là, il a perdu la raison. Il a commis cette faute. Il a commis l'adultère. L'adultère, pour une définition courte et simple, Google nous dit que c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint, synonyme infidélité. Donc c'est ça l'adultère, on sait tous que c'est un péché. Généralement dans la Bible on va plus parler d'adultère lorsque on va commettre une faute alors qu'on est engagé par les liens du mariage. Donc dans la suite du verset, après cette faute-là, la femme lui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc David, comme tout être humain, envisage des plans. Il a pensé à une combine pour que personne ne puisse savoir ce qu'il a fait. Il a pensé à quelque chose qui pourrait le faire sortir de cette histoire blanc comme neige. Il a donc dit à son serviteur de revenir, de prendre du repos, d'aller dans sa maison, d'aller rencontrer sa femme pour qu'ils aient des rapports et que l'enfant, qu'on pense que ce soit son enfant. Sauf que son serviteur n'a pas voulu. Son serviteur était contre cela parce que son peuple était en guerre et c'était un homme de guerre. Il refusait de prendre du repos tant que la guerre n'était pas terminée. Donc le premier plan de David échoue. Il se dit comment je vais bien pouvoir faire. Là je suis dans de sales draps. Comment je vais pouvoir me sortir de cette situation. Il a donc décidé d'enivrer cet homme-là, de le faire boire, de le faire manger et de lui dire « retourne chez toi ». Mais ça n'a toujours pas fonctionné. Il a donc imaginé un dernier plan. Verset 15. Il écrivit dans cette lettre, donc David, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Voici le dernier plan de David. David a commis l'adultère. David a essayé de cacher sa faute en envoyant cet homme coucher avec sa femme. Et David a imaginé un dernier plan qui était de tuer son serviteur. C'était un serviteur droit, il faisait la guerre, il avait l'air d'avoir des principes, des valeurs. Mais David a dit, il faut qu'il meure. Il faut que personne ne connaisse cette histoire. Il ne faut pas qu'on puisse savoir que le grand roi, que le grand David, que celui qui a tué Goliath, était un homme qui avait péché, un homme qui avait commis l'adultère. Il ne fallait pas que ça se sache. Alors David a décidé de tuer son serviteur Uri. Ce plan-là a fonctionné. Uri est donc mort au combat. Et à ce moment-là, je ne sais pas si David il a été joyeux ou triste en entendant cette nouvelle, mais en tout cas, son plan a fonctionné. Chose la plus importante de ce chapitre, à la fin, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Dernière phrase, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alléluia. C'est peut-être le plus important de... La chose la plus importante qu'il faut retenir dans toute cette histoire, c'était peut-être un roi, c'était peut-être quelqu'un d'important, mais en tout cas ce qu'il avait fait, les actions qu'il avait commises, ça a déplu à l'Éternel. Alors si tu peux me répéter ce qu'on avait dit en début, que David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant ce qu'il a fait, ça a déplu à l'Éternel. On va passer au chapitre 12, 2 Samuel 12. Chapitre 1, verset 1 à verset 7. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort.
Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Alléluia. Moi, ce que j'aime particulièrement avec ces versets, c'est qu'on voit en fait tout ce que Jésus a pu reprocher aux pharisiens. Tout ce que Jésus a pu reprocher à son peuple, c'est-à-dire que on est fort pour tirer des conclusions, pour donner des conséquences à des actes qui sont certes mauvais, pour ça on est très fort. Mais pour se remettre en question, là, on n'est pas bon du tout. Lorsqu'il s'agit de juger, lorsqu'il s'agit de regarder les autres, de les pointer du doigt, là on est fort. Et c'est ce que David a fait. Il a eu un bon raisonnement, ce qu'il a dit c'était pas mauvais. Mais sauf qu'avant de dire tout cela, il n'a pas examiné sa propre personne. Il ne s'est pas dit que moi aussi ce que j'ai fait, Uri, c'est quand même grave. C'est quand même quelque chose que j'aurais dû me remettre en question quand même avant de passer à l'acte. Donc j'aime bien parce qu'on voit vraiment ce que Jésus a pu reprocher aux pharisiens. Vous jugez beaucoup trop, vous n'êtes pas assez parfait pour juger, etc. J'aime bien ces versets-là. David, il avait agi en secret. Personne ne pouvait se douter que l'enfant qu'il attendait était un enfant hors mariage. Parce que cette femme-là, du coup, était enceinte. Elle a pu donner naissance à cet enfant-là. C'est un enfant qui avait été conçu pendant que le mari de cette femme était à la guerre. Mais rien n'est caché devant Dieu. Il avait fait tous ses plans en secret. Il s'en était bien tiré. Hein. S'il y avait un enquêteur, un inspecteur derrière, il n'aurait rien pu voir. Il avait fait ses petits plans, il avait recueilli la femme après le deuil. On pense que c'est son enfant, tout concordait dans les temps, mais le Seigneur le savait. Le Seigneur était peiné dans son cœur. Il ne voulait pas que David puisse continuer sur cette voie-là sans se repentir, puisse continuer sur ces actions-là, sur ces penchants-là, sans qu'il puisse se repentir. Verset 9, Dieu a donc dit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Tu as frappé de l'épée Uri le Hessien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hessien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Il a agi en secret, rien n'est caché devant le Seigneur. Le Seigneur a donné sa conséquence. Par la suite, le roi David, il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier parce qu'il ne voulait pas que son fils puisse mourir. Certes, c'était un enfant eu pas communes, mais il aimait quand même cet enfant et il ne voulait pas qu'il puisse mourir. Donc il a commencé à jeûner, il a commencé à prier. La coutume voulait qu'il ne faut pas se changer, qu'il faut rester par terre. Qu'il faut ne plus manger. Il a donc fait tout cela pendant 7 jours. Il était vraiment dans un état de lamentation totale pendant 7 jours. Le roi d'Israël, il était par terre comme un SDF. Il se comportait vraiment comme un SDF. Il ne se lavait pas, il ne mangeait pas. Il était vraiment dans un état de lamentation, espérant que le Seigneur puisse faire grâce. Et j'aimerais attirer votre attention aussi sur le verset 15. Si on comprend la chronologie et le fonctionnement des choses, on voit que la conséquence, elle arrive au minimum 9 mois après avoir commis le péché. Alléluia. Le Seigneur, il lui a dit que l'enfant qui t'est né, il va mourir. C'est-à-dire que cet enfant-là, il était déjà né. Cet enfant-là, il était déjà vivant. Cet enfant-là, il respirait déjà. Peut-être que même David, avant que Nathan arrive, le prophète, peut-être que David avait déjà oublié ses fautes. Il avait même oublié que cette femme-là, c'était la femme de son serviteur. Et l'enfant-là, il va mourir au minimum 9 mois après que David ait commis ce péché. Alléluia.
Et ce genre de choses, ça doit nous interpeller. Parfois, nous aussi, on peut être dans des situations où on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi telle situation. Ce n'est pas forcément des conséquences, ça peut aussi être des attaques. Mais on doit avoir cette sagesse-là de se dire, c'est peut-être à cause de mon péché que le Seigneur me punit, que j'ai ces conséquences-là dans ma vie. Tout ce qu'on va semer, on va le recevoir. Bonne chose ou mauvaise chose. Le Seigneur avait parlé, l'enfant finit par mourir. Et c'est là, moi aussi, que j'aime énormément le comportement de David. C'est là que la phrase de « l'homme selon le cœur de Dieu » prend tout son sens, lorsque l'enfant est mort. On va lire pourquoi. À partir du verset 19. « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « il est mort ». Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Alléluia. Et là, j'aime énormément la réaction de David. C'est quelque chose qui me... Quand je dis ça, je dis « Waouh !» Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a le caractère d'un homme de Dieu, on a le comportement, on a l'état d'esprit d'un homme de Dieu. Ok. David, il a péché. On est tous d'accord sur ce point-là. Et cette chose qu'il a fait, hein, c'est une chose qui peut nous arriver à nous aussi. On peut aussi pécher, on peut aussi faire... d'impressionnantes choses, des choses horribles aux yeux des hommes, ça peut aussi nous arriver. Mais le caractère, le comportement d'un homme de Dieu, c'est de reconnaître sa faute, c'est de l'accepter, accepter les conséquences et de rendre gloire à Dieu. Et c'est exactement ce qu'a fait David. David, il était triste. David, il a espéré la pitié de Dieu. David, il a jeûné. David, il n'a pas mangé. David, il ne se lavait plus. Il espérait la pitié de Dieu. Mais Dieu a eu quand même une conséquence qui n'est pas moindre. Il a repris son enfant. Et juste après ça, il s'est dit, « Ok Seigneur, moi j'accepte ta volonté. Ok Seigneur, tu as dit qu'il allait mourir, mon enfant est mort, mais je te rends gloire, je vais me prosterner. Et je vais manger, je vais continuer ma vie parce que c'est ce que tu veux. Tu voulais me punir, tu l'as fait, et je te rends gloire Seigneur, tu as raison en tout. » Et ce comportement-là, c'est vraiment exceptionnel. J'aimerais vous dire que la vraie capacité d'un enfant de Dieu n'est pas de jamais pécher, mais c'est de reconnaître facilement après l'acte que l'on a mal agi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La capacité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de jamais pécher, mais c'est de reconnaître facilement après un acte qu'on a posé qu'on a mal agi. C'est ça la capacité d'un enfant de Dieu. Prenons un exemple. On va s'embrouiller, on va mal se parler, on va insulter des gens, on va mal se comporter dans une histoire de famille, au boulot, etc. Mais l'enfant de Dieu, après cet acte-là, une heure, deux heures, 30 minutes, la journée d'après, il va se sentir mal. Il va se dire, ah, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Je dois aller demander pardon. L'image que j'ai montrée de moi, c'est pas la bonne. Je dois aller demander pardon. L'enfant de Dieu, peut-être même qu'il va aller voler, peut-être qu'il va aller prendre par nécessité parce qu'il avait faim, mais une heure, deux heures, un jour après, il va se dire, ah, ce que j'ai fait comme action, c'est vraiment pas bon. Faut que j'aille rembourser. Faut que j'aille m'excuser, faut que je me repente. Et c'est là vraiment le caractère d'un homme, d'une femme, selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu, qui peut mal agir, parce que le Seigneur, il sait qu'on est humain. C'est même pour ça qu'il a pardonné nos péchés, il savait qu'on allait pécher. Mais c'est de reconnaître, de savoir, d'accepter et de repartir de plus belle. Alléluia. Par ce message-là, je vais pas vous encourager à pécher, hein. C'est pas pour ça que je suis là. Mais plutôt, lorsque pécherez par inadvertance, parfois par pulsion charnelle, par je ne sais quoi, c'est d'écouter le Saint-Esprit qui va vous orienter vers la repentance. Qu'est-ce qu'il a fait David lorsqu'on lui a dit son péché? Il n'a pas sorti des excuses, hein. Il n'a pas dit « Ah, j'avais mes hormones, ah, j'ai trop la pression avec les guerres que j'ai, ah, elle était belle aussi, c'est elle qui m'a tenté à sa fenêtre. »
Il n'a rien dit de tout ça, il n'a pas cherché d'excuses. Hein. Il s'est repenti, il a dit j'ai péché. Nous aussi, on doit être dans la même situation. On doit arrêter de se chercher des excuses lorsqu'on pêche. On doit tout simplement demander pardon au Seigneur et aller de l'avant. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas rester sur ses positions lorsqu'on fait le mal. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas rester sur ses positions lorsqu'on agit d'une mauvaise manière. Alléluia. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? C'est simplement le message que j'avais à vous partager. C'est nous encourager à pas à pécher, c'est nous encourager à reconnaître nos fautes, nos péchés lorsqu'elles peuvent arriver et avoir ce bon comportement après. C'est vraiment ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui comprend par l'esprit et encore un bébé spirituel, quelqu'un qui ne veut même pas reconnaître ses fautes. Lorsqu'on reconnaît ses fautes, on a déjà fait un énorme pas en avant pour avancer dans le Seigneur. Lorsqu'on reconnaît où on a péché, lorsqu'on veut s'améliorer, on a déjà fait un énorme pas vers le Seigneur. Et c'est le message que j'aimerais véhiculer aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que lorsqu'on pêche, lorsqu'on agit mal, on puisse reconnaître nos torts, se repentir et avancer, comme l'a fait le roi David. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen, amen, amen. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. J'entends l'Esprit du Seigneur dans les prochains jours dire, telle personne qui a écouté ce message aujourd'hui, c'est un homme selon mon cœur parce qu'il a compris. Amen. Notre frère nous a encouragés, nous a exhortés, nous a dit de ne pas être dans le jugement. Même Jésus l'a dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de parler de la paille qui est dans l'œil de ton frère et de ta sœur. Amen. Ne pas être dans le jugement. Souvent, c'est ce que nous faisons. Même avec Jésus, quand la femme elle est venue, elle a versé un parfum de grand prix sur le pied de Jésus. Qu'est-ce que les gens autour de lui ont dit? Mais on aurait pu vendre ce parfum et pourquoi elle gaspille? Pourquoi elle vient se faire voir comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Ils étaient dans le jugement parce qu'ils n'ont pas compris le geste d'amour de cette femme-là. Apprenons à ne pas rester dans le jugement. Et moi, souvent, quand j'écoute une prédication ou quand on donne un passage et que je lis, je dépasse souvent le prédicateur. Je vais lire la fin de l'histoire parce que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Et dans le passage qu'on a lu tout à l'heure de Samuel 12, ce qui moi m'interpelle encore plus, je le savais, mais encore plus sous le regard et l'inspiration que le Saint-Esprit a donné à notre frère. Dans la suite du passage de Samuel 12, après que, je suis au chapitre, au verset 23, après que David ait dit, maintenant que l'enfant est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. Verset 24. David consola sa femme, Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez dire ce qu'il y a à ce niveau, que l'Éternel aima. La Bible nous dit qu'après ces événements-là, où il a perdu son enfant, maintenant, il a fait les choses bien. C'est sa femme. Il est allé vers sa femme. Donc, après avoir reconnu son tort, il n'est pas resté dans l'erreur. Il n'a pas cherché de fausses excuses. Il a officialisé les choses. Aux yeux de tous, c'est devenu sa femme. Il a eu un enfant. Et la Bible nous dit que l'Éternel aima Salomon. Et on ne sait pas à la suite ce que Salomon est devenu dans la Bible. Amen. Dieu ne s'arrête pas à tes erreurs, mon frère, ma sœur. Dieu ne s'arrête pas à ton péché, mais il t'attend au comportement que tu as après le péché pour en faire sortir quelque chose de grand. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma sœur? Salomon, il est devenu le fils qui a fait les choses que David voulait faire pour Dieu.
Dieu a permis que ce soit Salomon, le fils là qui est né. Humainement, quand quelqu'un commet une si grande faute envers toi et que tu donnes une conséquence, et que par exemple, je donne un exemple, quelqu'un me vole mon téléphone, il me l'arrache. Moi, je sais les peines que j'ai endurées et tout pour avoir mon téléphone. Finalement, il le casse, il le fissure et il revient vers moi. Déjà, je l'attrape, c'est pas d'autres personnes que je sais que c'est avec lui. Je vais le voir, je vois mon téléphone dans un état pitoyable. Je le reprends. Maintenant, il faut que je lui donne un autre téléphone à lui parce que ben, il a besoin d'un téléphone, c'est pour ça qu'il a volé mon téléphone. Il faut que je lui redonne un autre téléphone. Humainement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais Dieu, lui, il les fait. Je ne sais pas comment son cœur est fait, on ne peut pas le comprendre. Mais Dieu nous aime d'un amour qui ne s'arrête pas à nos fautes. Il ne regarde pas ton péché, mais il s'arrête à « Est-ce que tu as un cœur repentant ? Est-ce que tu as un cœur qui continue de l'aimer ? Est-ce qu'il y a un cœur, tu as un cœur qui arrête de juger ?» Parce que l'autre a fait ci, parce que l'autre a fait ça. Je ne sais pas tout ce que tu as retenu de ce message que notre frère nous a communiqué, mais le Saint-Esprit, nous lui disons merci pour sa révélation, pour l'inspiration. Nous allons nous lever, nous allons prier. D'abord pour notre frère qui nous a apporté la parole. Que le Saint-Esprit l'équipe encore davantage, lui révèle encore sa parole, le plonge encore dans les profondeurs afin qu'il soit toujours ce canal de bénédiction pour cette assemblée et partout où il ira. Si nous pouvons prier dans ce sens. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci Père éternel parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce soir, tu as utilisé Père éternel, notre frère Maxime pour nous parler et c'est ta parole qui éclaire. Père éternel, à la lumière de ta parole, nous avons compris de par sa bouche, Père éternel, que nous devons éviter le jugement et que nous devons avoir un cœur, Père éternel, repentant qui revient à toi et qui continue de te suivre. Père éternel, je prie afin que, Père éternel, tu bénisses ton serviteur, que tu le ouailles encore davantage et qu'il soit une source de bénédiction partout où il ira. Partout où la plante de ses pieds foulera, Père éternel, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus lui soit soumis et que les captifs, Père éternel, soient délivrés. Que des miracles se passent au travers de sa bouche, au travers de son évangélisation, au travers, Père éternel, de ses mains, que des miracles se fassent pour ta gloire. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, merci pour ce que tu accomplis dans sa vie. Merci pour sa famille, Père éternel, que tu protèges par ton sang. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je vais maintenant passer la parole au pasteur Désiré qui, toujours inspiré par cette pensée, nous conduira dans un moment d'exhortation et ensuite va conclure. Amen. C'est juste pour bénir d'abord le Seigneur pour ce message qui nous a fait du bien. Bien que court, mais c'était un message très important. Je ne vais pas en rajouter plus. D'après l'intervention de Maxime aussi d'Aristide, nous comprenons que c'était la volonté de Dieu. Bien-aimés, chaque parole qui sort est une parole qui nous est destinée. Aujourd'hui, Dieu a choisi ce canal parce qu'il a voulu nous transmettre sa pensée. Et ce qui est dit, c'est à prendre au sérieux. J'ai toujours dit, quand on nous donne des versets bibliques, rentrons à la maison, relisons l'histoire et vous allez comprendre. Moi, j'ai un principe dans la vie. Si tu me fais mal, je ne te le dirai jamais. Si tu me fais du bien, je viens de te dire, tu m'as fait du bien. Mais si tu me fais mal, que tu me blesses ou que tu fasses quoi que ce soit, tu ne m'entendras jamais. Donc juger les autres, ce n'est pas bon. Il a bien dit, David, on lui dit,
un riche a arraché une brebis d'un pauvre. Regarde comment il a été vite pour répondre. Trop pressé même. J'ai lu toujours ces passages-là. Mais c'est aujourd'hui que j'ai remarqué que cet enfant est mort après 9 mois. Si vous comprenez ça? J'ai lu le chapitre, je l'ai lu plusieurs fois. Mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte, oui, cet enfant était né. Donc, Dieu est revenu 9 mois après. Si vous comprenez, c'est quoi les mystères de la parole de Dieu? C'est pour dire que chaque jour, chaque fois que nous sommes invités dans une réunion, Dieu a toujours quelque chose à rajouter. Peu importe la personne que Dieu utilise, Dieu a toujours quelque chose. Moi, je vous dis ce soir, je rentre, je sais que Dieu est revenu vers David 9 mois après. Pour qu'il envoie Nathan lui dire que cet enfant mourra. 9 mois après. Donc l'enfant était déjà né. Et peut-être il avait oublié. Ne jugeons pas. Ce qui est plus important, c'est que quand il y a quelque chose, remettons-nous aussi en cause. Posons-nous la question de savoir où est-ce que j'ai fauté moi aussi. Non pas seulement juger les autres. Et pendant que je lisais, il y a quelque chose qui a encore attiré mon attention. Il va faire tuer son serviteur qui était bon, on va dire, fidèle et qui était loyal. Il envoie la lettre pour qu'on le place devant. Mais qui a amené cette lettre-là? C'est lui-même. Donc, Uri partait remettre la lettre à Joab. Mais il ne savait pas que dans la lettre, c'était écrit qu'on les place devant pour qu'ils meurent. Si vous comprenez ça. Que Dieu te bénisse, Maxime. Je sais que tu voulais partir autrement l'autre fois. Tu vois que ça nous a bénis. Que le Seigneur te bénisse. Lèvons-nous. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé en ces lieux. Tu vas dire à Dieu, ce n'était pas un hasard que je sois là ce soir. Et cette parole qui a été dite ce soir était pour moi. Tu lui dis, c'était pour toi. Et tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Tu vas seulement dire au Seigneur, merci pour ce temps que j'ai passé et cette parole que j'ai écoutée. Parce que cette parole m'a béni. Élève ta voix. Tendre Père, je ne peux que te dire merci, notre Dieu, parce que tu as permis que cette réunion se tienne. Nous ne voulons pas voir les réalités de nos yeux, mais nous voyons la vérité qui vient de toi. Père, merci parce que tu as permis que ce culte d'aujourd'hui ait lieu, parce que tu avais un message à nous transmettre. Je t'ai béni parce que notre Dieu, moi particulièrement, tu m'as parlé, personnellement, tu m'as parlé, tu m'as donné des choses encore en plus de ce que j'ai déjà reçu de toi. Je t'ai dit merci parce que ce n'était pas un hasard, notre Dieu, que je sois là. Je sais que tu savais que je serais là. Tous ceux qui sont là, notre Dieu, tu savais qu'ils seraient là. Et ceux qui nous suivent ou qui nous suivons sur Internet, tu savais et tu le sais que ces personnes devaient le faire. Père, je te dis merci pour ces cultes, notre Dieu, pour son début, son déroulement et sa fin. Merci encore parce que nous partons à la maison étant remplis avec une pensée positive, avec une bénédiction acquise, Père éternel de toi. Nous te disons merci parce que tu as été bon et tu le resteras pour nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander l'église entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Père, souviens-toi de nous, non pas à cause de nous, mais à ton nom donne gloire. Que Dieu se souvienne de l'église. Par ce temps où nous sommes en train de parler, beaucoup, nous ne les voyons plus. Comme on nous a enseigné aujourd'hui de ne pas juger, nous allons pouvoir supporter ces personnes, mais en prière. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de l'église et aussi de se souvenir de tous les membres de l'église que nous ne voyons plus. Au nom de Jésus, que s'élèvent nos voix.
Tendre Père, je te dis merci encore une fois de plus pour ce que tu es, pour ce que tu manifestes. Je prie notre Dieu pour cette assemblée, Jésus-Christ, soleil de la vie. Car c'est toi, notre Dieu, qui es le maître, le premier enseignant, les directeurs, les conducteurs. C'est toi la tête et qui fais toutes choses, Père. Je prie, notre Dieu, pour que tu bénisses cette assemblée. Je prie aussi, notre Dieu, pour tous nos bien-aimés que nous ne voyons plus. Père, je prie, notre Dieu, là où ils sont. Comme nous ne sommes pas capables, notre Dieu, de les convaincre, laisse que ton Esprit Saint puisse les toucher. Partout où ils se retrouvent, Père éternel, qu'ils puissent sentir ton appel, qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent à toi. Nous n'avons pas le droit de juger, mais nous avons le droit, nous avons le devoir de pouvoir les supporter et de les emmener au devant de ton trône par nos prières. Et nous prions notre Dieu pour que partout où ils sont, notre Dieu, quelle que soit la raison, notre Dieu qui a fait, qu'ils s'éloignent, que toi tu les ramènes à la raison et que tu fasses en sorte, mon Dieu, mon roi, que nous puissions te glorifier. Regarde cette assemblée et souviens-toi de nous, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. À ton nom, Père éternel, donne gloire. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu de rentrer avec nous pendant que nous allons faire notre chemin vers nos demeures. Que Dieu rentre lui-même avec nous, qu'il nous accompagne, qui nous sécurise, qui nous protège et qui soit devant comme un protecteur, derrière comme un défenseur, jusqu'à ce que nous allons atteindre notre demeure, que Dieu soit avec nous. Et tu vas recommander la soirée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu, que ton sommeil soit un sommeil doux, paisible et agréable. Et la Bible dit, la nuit est faite pour dormir. Dormir pour reposer le corps, mais ton esprit ne dort jamais parce qu'il est toujours en communion avec l'Esprit de Dieu. Élève ta voix. Tendre Père, je viens, notre Dieu, recommander, Père éternel, le chemin de retour dans beaucoup de tout le monde, Père éternel, entre tes mains. Père, laisse que tu puisses nous accompagner, notre Dieu, jusqu'à ce que nous arriverons dans nos demeures, Père éternel. Père, nous voulons, notre Dieu, que notre chemin soit balisé, que par où nous allons poser nos pieds, où nous allons rouler, Père éternel, que ce soit sur le tapis du sang de Jésus-Christ, que nous puissions jouir de la protection de l'Éternel. Va au-devant comme un protecteur, et demeure derrière nous comme un défenseur. Que nous puissions, notre Dieu, Papa, dans la nuit d'aujourd'hui, dormir, notre Dieu, comme des véritables enfants de Dieu. Car celui qui est en toi, notre Dieu, reçoit des révélations, même dans notre profond sommeil, dans son profond sommeil. Et nous croyons, notre Dieu, Papa, que ton Esprit Saint restera en communion avec notre esprit, car quand tu nous parleras, nous allons saisir, notre Dieu, ce que tu veux. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vais prier. Seigneur éternel, je te bénis encore une fois de plus. Je te rends grâce, je te loue, Papa, pour tout ce que tu as fait. Un jour, une seconde, une minute, Père éternel, devant ta face, vaut mieux que tout ce que nous pouvons espérer dans ce monde. Les temps que nous avons passé, notre Dieu, devant toi, c'est un temps bénéfique. Et nous croyons, notre Dieu, que nous ne retournons pas tels que nous sommes venus parce que tu as pu faire quelque chose de grand dans nos vies. Papa, j'ai béni, mon Dieu, mon roi, tout celui qui a bousculé son programme, qui s'est donné la peine de venir te louer, t'adorer en ces lieux. Père, que chacun d'entre eux, Père éternel, puisse retourner avec des bagages de bénédiction sur la tête et que cela soit accompli dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi ton serviteur Maxime, que tu as utilisé ce soir, notre Dieu, pour nous transmettre ta parole. Père, je prie pour que sa vie puisse refléter ce qu'il a dit et que dans sa vie, dans son dépôt où il a puisé, notre Dieu, que tu puisses encore remplir pour que la prochaine fois qu'il se tiendra ici, qu'il puisse encore parler, notre Dieu, comme il a fait et encore plus que cela. Père, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour la tête de cette église, le pasteur Serge Malou, ainsi que toute sa famille. Et je prie pour chaque membre de cette assemblée, même ceux qui n'étaient pas là, Père éternel, entre tes mains, même ceux que nous ne voyons pas entre tes mains. Je prie aussi pour tous ceux que tu appelles au loin pour nous rejoindre, Père éternel, afin que nous puissions faire une armée d'adorateurs
Et nous croyons, notre Dieu, que cela sera fait. Bénis notre Dieu, Papa, notre programme de dimanche prochain, la répétition de la chorale, et que tout est manifeste dans la vie de tout un chacun. Père, ceux qui sont malades, que ce soit nous-mêmes, dans nos familles, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, tous ceux qui sont malades, notre Dieu, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne trouve pas d'occasion de nous affaiblir, car nous voulons être forts avec toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je brise et paralyse par l'autorité que tu nous as conférée sur la croix de Golgotha tout ce qui n'est pas de toi, qui est contre nos vies, contre nos familles, contre cette assemblée, que je déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2023 soit une année où nous allons témoigner des grandes choses, Père éternel, dans nos vies, et que, Père éternel, notre témoignage sera grand, au point que ceux qui ne te servent pas comprendront que nous sommes avec toi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tous.